Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit résumé entre guillemets de la Cup d'Ardeville. Tout simplement, si on finissait dans le top 800, on gagnait un skin incroyable exclusif. Donc je crois qu'il sera disponible plus tard dans la boutique. D'ailleurs, si vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas à mettre le code créateur Cocteau dans la boutique. Ça fait plaisir, ça soutient énormément. Bref, je vous explique. On était en 16e. Ensuite, une fois que tu étais en 16e, tu passais en quart de finale. Ensuite, tu passais en demi-finale. Et ensuite, tu passais en finale. Et en gros, bah, tu gagnais des points en fonction d'où tu étais. Donc si tu mourais par exemple en 16e, tu gagnais 1 point. Mais si tu mourais top 2, bah, tu gagnais genre 5 points. Et top 1, c'était genre 15 points en plus. Bref, c'était beaucoup de points. C'était très boring. Et j'ai trouvé la cup honnêtement vraiment pas folle. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment trouvé la cup genre 3 heures. Une heure, en vrai, une heure et demie. Pourquoi pas, mais 3 heures, c'était beaucoup trop long. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Juste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait extrêmement plaisir. Il y a 70 000 abonnés. La vidéo, c'est top. Lâchez le petit pouce bleu. En tout cas, c'était Cocteau. Bon visionnage. Juste avant les gars, on n'oublie pas le code créateur Cocteau, comme vous le voyez, des skins vraiment stylés, en vrai pas trop chers, qui sont sortis avec beaucoup de style. Donc voilà, si vous souhaitez les acheter, vous mettez le code créateur Cocteau, minuscule ou majuscule, comme vous voulez, ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Ah. Mais même moi j'ai Iron Man en fait, moins 50. Bah mais ça c'est trop fort tu vois. Je préfère l'avoir en finale. Hein. Ouais, dommage, j'ai une autre deux. Et il fait que de fuir, il m'en fout. Qu'est-ce qui se passe? Le doigt, je fais, hein. J'ai la pire aim de France. T'as moins 100, ils prennent, c'est abusé. Bon, ils prennent 17-0, c'est ça? 15-0. 15-10, ah non, ça va. 15-0. Aise. GG. Nice. Tu sais, j'aimerais trop qu'ils mettent un mode jeu temporaire comme ça, tu sais. Genre, tu spawns aléatoire comme ça avec des stuff, tu sais. Genre, mets en moving zone si t'as des places et tout, ce serait trop bien, tu sais. Mais dans le vrai jeu. Avec des vrais moving zone mouvantes et tout, dans ce serait trop bien. Je sais pas, ouais, tu vois, tu spawns à. Imagine, en vrai, c'est trop bien, genre, tu spawns à 40, mais genre dans la grande zone, un peu. Genre, 40 dans une zone, genre la zone 4, tu vois, directement. Lo, non, il a 2 HP sur moi. Il a vraiment 2 HP. Non. Non, je suis mort. Vas-y. 15-14, hein, faire attention. Ouais. Sur Twitter. Attends, j'arrive à l'OS, c'est de pas mourir. Ouais, il se prend les 3 en bas. Attends, je vais monter. Blanc. Nice. Yes. Moi les gars dans la rue, il est blanc. Mais il m'a mis 0 balle. Nice, nice, nice. 18-14. Moins 150, hein. Ça va. Il est strike. Ah, je suis en train, moi. Oh non. Vas-y, je meurs plus. C'est bon, on a gagné. Ah, oh, attends, moi je me suis cover. Nice. Oh, c'était chaud, hein. Je t'avoue que c'était. Ouais. C'était chaud, hein. 100. J'ai vu moins 100 là-bas. Moi, je suis mort, j'ai 30 HP, j'ai essayé de faire des dégâts avant de mourir. Moi, je mets full dégâts. 55, crack. Moi, j'ai jamais eu. Oh, double. Ah non, un mort. Mec, j'ai 20, je crois. 3 pavants blancs. Crack. Blanc. Nice. C'est derrière toi. Non, c'est bientôt la Grima qui a fait le PC touché. Ah, c'est là, tu vas là. À moins 100 avec le marteau. Nice, blanc. Mais d'où je meurs pas? Mais what? Ok, ouais. Bah, je comprends pas. Oh là là. Blanc. What? Qu'est-ce qu'on en met là? Bah, écoute, ça va, parce que c'est bien. Ouais, mais le problème c'est que là, le problème c'est que genre en vrai tu perds trop vite en points. Genre 10 points, tu perds genre 400 places facile, même plus. En plus, on a des kills à la fin quand on les met. Ouais, mais en gros, là, genre 10 points ça fait perdre tellement de places. Ouais, ouais, wow. Là les gars, faut les. Ouais. Mais eux ils ont l'air claqués. Qui met le, spawn... qui met le skin pomme? Hein? Non. Oh,
fou, j'ai bugué. Hey, ils m'ont repopulé, ils avaient la foule. Ah ouais, je suis loin. Attends, ça pue. Que sur la terre. Oh, what? Est-ce que je me verrai 150. 220. Un blanc d'ailleurs. Deux blancs. Oh, ouais. Mort. Deux blancs sur moi, les lasers. Mort. Elle est pas bien. Derrière. Oh non, mais merde. C'est bon, vas-y, je reste en l'herbe. Ah ouais, c'est bon. Non, nice. Nice! Et plus 15 points. Hein. Tu vois, on est combien? Mais moi, si je vais manger, j'essaierai de me dépêcher. Hein. Ah, tu. On est top 20. Ouais, après, on est les voir. Premiers descendus. Hein. Oh, let's go. Du coup les gars, on a fait Lady Game et on a fini à 167 points. Donc je vais pas vous mentir, les deux dernières games on n'a pas trop joué parce que Elio du coup devait aller manger comme il a dit. Donc on était en 2v3 et bah en fait il y avait un petit peu de MMR, donc un petit peu de matchmaking. Et du coup on tombait quand même contre des bons joueurs. On voit que Nikov a fini deuxième, hein, Nick, frère. Même les joueurs pro ils perdent dans tout quoi, c'est abusé. Du coup au début on était top 20, top 30 toute la cup, mais à la fin du coup bah on a arrêté un petit peu, vous allez voir, je vais montrer le résumé des games. Mais je crois qu'on a fini dans le top 300, on a fini top comme vous voyez 331. Et donc l'historique des parties, donc première game un top 2 malheureusement, après top 1, top 1, top 1, top 1, top 1. Là on a fait un top 15, là honnêtement on est tombé contre des très très bons joueurs qui tryhardaient beaucoup. Et là on avait fini top 3, et là bah du coup on était en 2v3 et vous voyez la durée de la game 5 minutes on avait quitté etc. Bref, on a fait beaucoup de kills, on a fait du coup bah combien de kills, 57,2 kills en moyenne. Et on est du coup premier des 167 points. Donc voilà. Mais on va recevoir le skin. Je vous fais sûrement une vidéo qu'on a reçu le skin. Parce que je n'ai toujours pas reçu le skin. Alors qu'actuellement on est le 15 octobre. D'ailleurs c'est mon anniversaire. Hein. Mais voilà. Donc on n'a pas reçu le skin à ce que je vois. Donc Daredevil. On l'a toujours pas reçu. Regardez Daredevil. Aucun résultat, donc je sais pas ce qu'ils attendent pour l'envoyer. En tout cas, moi je vous laisse avec le débrief de la vidéo. Du coup les potes, comme vous l'avez vu le skin est plus... Du coup les potes, voilà. Du coup les potes, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le skin, est-ce que vous le trouvez beau, pas beau. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit pouce bleu. C'est vraiment dommage, je le dis encore une fois, que cette cape était un petit peu, bah, à regarder, voilà, c'était vraiment pas ouf. J'en suis vraiment désolé, du coup je vous ai mis un petit peu d'arène. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un pouce bleu. Moi je vous retrouve sur Twitch, la chaîne est en description. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram. C'était Cocteau, ciao.